la repentance. Ô mon Seigneur, l'accueillant au repentir, tend ta main de jour comme de nuit, et ce pourra accueillir la repentance de ceux qui, pour des plaisirs, t'oublient. Combien de fois par mes péchés je t'abandonne, combien de fois j'ai dû souffrir, et toi, combien de fois tu me pardonnes, combien j'ai jonglé entre la tristesse et les sourires. Si la repentance c'est le regret, alors vers toi revenir, c'est faire de toi l'essentiel qui me manquait. Aimer, c'est donc se repentir. J'ai honte de supplier, tellement mes forfaits sont nombreux. Je t'aime à contempler ta beauté, de fermer face à mes péchés tes yeux. Ô mon Seigneur, l'essentialisateur, soigne mon cœur affligé, même s'il le faut par des douleurs, chaque fois que je voudrais de toi m'écarter. Et je te miroiterai dans ton sublime nom, en valorisant mes frères et mes sœurs filets, qui après l'injustice et le regret me reviendront. Beaucoup malheureusement à l'heure d'aujourd'hui méconnaissent Allah à travers cet attribut d'être celui qui accueille le repentir. À la différence des anges, Allah nous a créés. Il est adjoint à notre esprit l'âme bestiale par laquelle on peut lui désobéir. Les anges ne possèdent pas une adoration que nous possédons. Ils ne demandent pas en effet pardon. Ils ne font pas d'istighfar. Quand nous, êtres humains, nous avons la possibilité de lui demander pardon et de manifester par cette action notre pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié d'une adoration dont les anges ont été privés, celle de nous repentir et de revenir à lui après nous être écartés. Le prophète alayhi salatu wassalam disait: si vous ne péchiez pas, Allah ferait venir une autre création qui sur terre pécherait et demanderait pardon. Allah, qu'est-ce qu'il a souhaité en nous créant? C'est que l'on revienne vers lui, repentant. Parce que celui qui revient vers Allah en étant plein de regrets, parce que la repentance, c'est justement de regretter, inna tauba nadama. La repentance, c'est le regret. Qu'est-ce que Allah souhaitait quand on se repent? Il souhaitait que l'on regrette. Et qu'est-ce que le regret, si ce n'est l'application du tawhid? Parce que celui qui regrette saisit qu'Allah était son essentiel. Si Allah était son essentiel, dès qu'on manque un essentiel, on regrette. Si Allah est un essentiel, Allah est donc notre cœur supérieur à tout. Les gens, quand ils regrettent dans la vie, pour des choses, ils révèlent que ces choses-là étaient des essentiels dans leur cœur. Et celui qui regrette quand il commet un péché révèle qu'au contraire, Allah est son essentiel. Et si Allah est son essentiel, il prouve par son regret qu'Allah est dans son cœur et qu'il l'aime. Et il souffre de constater qu'un autre que lui a pu le détourner d'Allah. Et par sa repentance, en réalité, il dit, il traduit, « La ilaha illallah ». Nous sommes tous des pécheurs. Tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Participer de cet attribut dans notre relationnel avec autrui, c'est accepter le retour d'une personne qui a été injuste à l'égard de nos droits, en fermant les yeux sur cette injustice-là. En ne répondant pas au mal par le mal, quand une personne a été injuste à l'égard de vos droits, acceptez son retour avec joie, comme Allah accepte le retour de son serviteur repentant. Ne soyez pas rancunier, soyez plutôt indulgent. Ne vous vengez pas et pardonnez. Soyez avec vos semblables comme vous voudriez qu'Allah soit avec vous. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, des conséquences de la laideur de nos cœurs,
Nous n'acceptons pas le retour de nos frères et sœurs. Nous ne leur accordons même pas d'importance. Allah, il est celui qui essentialise, qui nous a accordé de l'importance. Aucun d'entre vous n'existait il y a 100 ans. Il vous a créé et amené à l'existence en vous donnant l'opportunité de partager avec lui les délices éternellement au paradis. De partager avec lui les délices éternellement au paradis. Alors que vous n'existiez pas, il vous a accordé de l'importance, il vous a valorisé. Participer de cet attribut, notre relationnel avec autrui, c'est valoriser les gens, c'est accorder de l'importance aux gens. Même ceux qui, dans l'apparence, sont repoussants, accordez-leur de l'importance. Valorisez-les. Valorisez-les. Accordez-leur de l'importance.